Tout se passe bien? Alors, nos améliorations avancent bon train, mais nous devons faire mieux pour rester compétitifs. Voici le rapport. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième manche de ce championnat de F1 2016. Comme vous le voyez, on continue à se battre avec les meilleures équipes. On part direction le circuit de Catalunya en Espagne. Mais avant, il y a des points de compétence à utiliser. On va sacrifier le moteur pour essayer d'égaliser l'appui à l'avant qui pourra nous permettre d'être plus compétitifs pour le Grand Prix de Monaco. Bonjour et bienvenue en Espagne. Malgré les conditions très difficiles, les pilotes auront besoin de deux choses aujourd'hui pour trouver leur marque sur ce circuit historique. De la confiance et de l'adhérence. Alors bien sûr, il y a beaucoup à faire lors de ces séances, pas mal de programmes à exécuter. Quel est votre objectif lorsque vous partez pour des essais libres? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement? Quelles sont les conditions sur le circuit? Ce genre de truc. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Les conditions, vous le voyez, qui sont très difficiles dans cette première séance d'essais libres du week-end. Week-end que nous allons vivre au cœur de la stratégie de notre course. Nous sommes donc bien partis dans ce championnat. Il est temps de faire un point alors que nous arrivons en Europe avec ce Grand Prix d'Espagne. Une première séance d'essais libres qui sera absolument totalement inutile pour nous puisqu'impossible d'effectuer aucun programme de recherche, que ce soit la découverte du circuit ou encore autre chose. Donc la seule chose à faire, ce serait éventuellement d'effectuer quelques tours et de savoir comment la voiture se comporte. Et le résultat est là, c'est-à-dire pas bien, puisqu'on n'a pas pris le temps de régler la voiture pour des conditions humides, sachant que c'est une des rares fois où l'on aura de la pluie ce week-end. La deuxième séance, elle, se déroule sous le soleil le vendredi après-midi. De quoi donc partir à l'assaut de cette piste de Catalunya? On prend le temps de régler la voiture. Merci à l'un d'entre vous qui m'a passé quelques réglages qui m'ont bien orienté. Et je vous les proposerai en commentaire sous cette vidéo pour savoir avec quoi j'ai piloté lors de ce Grand Prix d'Espagne. Vous voyez, reconnaissance du circuit. On arrive sur une piste que l'on connaît bien évidemment, qui est présente depuis de nombreuses années au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Un premier secteur assez technique avec de grandes courbes à haute vitesse. Il faut savoir placer la voiture correctement. Blocage de roue ici dans le deuxième secteur, un deuxième secteur que j'affectionne tout particulièrement, un circuit que j'aime bien aussi. Seulement un seul des virages va me poser problème, et vous le voyez venir, c'est le virage qui suit le droit, le virage 13, qui est en aveugle et difficile de savoir où je dois me positionner dans la boîte de vitesse, soit en 5, soit en 6, mais j'ai du sous-régime, donc c'est quelque chose d'assez compliqué avec cette McLaren qui fonctionne bien depuis son évolution moteur. Elle commence à avoir du grip au train avant, donc elle commence à être bonne et j'ai de bons espoirs pour le Grand Prix de Monaco. Pour l'heure, eh bien, la séance continue. On continue donc de découvrir cette piste ensemble. Le troisième secteur qui a été totalement défiguré il y a quelques années, puisqu'on avait droit à deux grandes courbes qui étaient très rapides mais aussi très dangereuses avec le bac à gravier juste sur notre gauche. Et cette chicane est venue ralentir les monoplaces. Et on conclut ensemble le tour de découverte avec, vous le voyez, quelque chose de plutôt positif dans cette EL1. Avec notre McLaren, les résultats de cette séance justement avec les Williams et les Red Bull qui sont à leur affaire. On a quand même un petit souci du côté de chez McLaren. Vous voyez qu'on est en pneu soft 11e et Stoffel s'en sort bien dans ce premier round d'essai libre. Un peu plus tard dans cette même journée, il fait un peu plus gris. La troisième séance, techniquement c'est samedi matin, donc on est en train de se dire est-ce que la météo va être aussi bonne pour la course. Il va falloir penser tout doucement à ce qu'on va faire en qualification selon le comportement de la voiture. Il nous reste à tester deux choses, la longévité des pneumatiques et la performance sur un tour. Et là, pour la première fois, je vais avoir du mal à réussir à battre mon objectif sur un tour. Mais vous voyez que finalement, on arrive à se classer comme il faut. On débute également un peu plus tard dans cette troisième et dernière séance alors que le soleil revient. Pas de pluie du tout hein, depuis la première séance d'essai libre. On débute la recherche sur les freins, donc 7 tours de gestion qui vont se passer correctement, si ce n'est un tour où j'ai un petit peu paniqué dans le 6ème puisque deux voitures sont sorties des stands sous mon nez. Et la première, j'ai réussi à la dépasser, la seconde, je suis tombé exactement dessus sur la dernière chicane, donc beaucoup de temps de perdu, mais rien de grave. Mais on sent quand même que le niveau
augmente et parfois respecter le delta devient très compliqué. Il faut réellement apprendre à cette McLaren. Stoffel a encore beaucoup de travail avant d'espérer gagner une course. On va conclure le programme d'essai qui se passe bien. Donc le but était en fait de récupérer 900 points, 900 unités pour faire évoluer le moteur à Monaco, mais je pense qu'on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire faire évoluer l'aéro de la voiture et son comportement sur la piste et utiliser les points récoltés lors du Grand Prix de Monaco pour faire les évolutions nécessaires pour le Canada et Bakou qui sont deux circuits. Il faut absolument avoir le moteur qui suit pour ne pas être avalé en ligne droite, même si par exemple au Canada on a les deux zones de DRS qui peuvent nous aider. Vous voyez que le programme se passe bien malgré la petite frayeur dans et l'avant-dernier tour. On va pouvoir conclure avec un 105 sur 105 en score visé, donc des petits points supplémentaires qui font plaisir. On voit également que la voiture se comporte bien en pneus médium, un peu plus dur à comprendre cette voiture en pneus durs. Je pense donc que la stratégie devrait être logique à deux arrêts. On va voir ça ensemble d'ici quelques secondes. Alors que la séance se termine, je passe un train de pneus soft pour voir comment la voiture se comporte. Et avec le poids de l'essence, je me fais surprendre dans le premier virage, le sous-virage, pas le temps de réagir et on termine dans le mur des pneus. Cette séance, mais on a eu quand même le temps de faire un chrono et on termine en 1:25.714 cette troisième séance d'essai, alors que Fernando Alonso est deuxième, tout promet pour la qualification samedi. Bonjour, ça va? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Et il faudra donc se placer aux portes du top 10, donc pas de nécessité d'aller en Q3. Et il faut battre Carlos Sainz, désormais rival depuis que Fernando Alonso a été battu. Nous voici sur le circuit de Barcelone-Catalogne pour le début de la séance de qualification. Ça devrait bientôt s'agiter du côté de la piste. C'est un circuit très difficile pour les pneumatiques, à l'avant comme à l'arrière. Pensez-vous qu'une bonne gestion de l'usure peut garantir une bonne place aux pilotes ? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici. Si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Attention à tout le personnel, la monoplace part. Début des hostilités en ce samedi après-midi sous le soleil, pas de pluie. Aujourd'hui, la qualification se déroulera 100% sur le sec. Ce n'est par contre pas forcément le cas de la course. Alors, on va parler un petit peu stratégie de pneus. Vous savez que avec Stoffel, on a toujours envie de se placer aux portes de la Q3, mais on est toujours condamné à y être. Donc le but ici serait de passer en Q3, mais de partir avec des pneus soft pour gagner un arrêt au niveau de nos adversaires. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Le premier run en Q1, de ce côté-ci, pas de problème. Hein. Du côté de McLaren, je pense que les deux voitures peuvent maintenant, grâce aux évolutions, aisément passer en Q2. Il faut malgré tout faire attention à ne pas surconsommer les pneumatiques. Vous avez vu un petit écart de ma part sur l'extérieur, pas de souci. F1 2016 continue d'évoluer. On peut en parler dans ces vidéos qui ne sont pas soumises aux commentaires télévisés. On parle un peu plus stratégie. On est plus en interne entre nous dans cette épisode. Eh bien oui, F1 2016 évolue dans cette dernière version. Les marbles, les fameuses marbles font leur apparition. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les dépôts de gomme qui au fur et à mesure des séances, d'une séance ou du week-end, eh bien vont venir se placer sur l'extérieur de la trajectoire. Et si vous y allez, vous perdez du temps. Pas vraiment de soucis de comportement si vous allez dans les marbles, donc vous pouvez toujours vous écarter pour vous défendre, notamment dans la très longue ligne droite des box. Le tour de cette Q1 continue sans problème. Tout le monde est en soft sans exception. On n'a pas vu de pilotes tenter leur chance avec des pneus plus durs. Et on termine notre tour qui n'est peut-être pas le plus rapide mais qui est propre et sécurisé. Et voilà, la dernière relance. Un petit peu d'instabilité du train arrière avec mon setup, mais je ne peux plus changer puisque vous le savez, la règle du parc fermé est d'application. Les résultats de cette première séance qualificative, vous voyez, on termine 9e du côté de Fernando Alonso et pour nous c'est la 13e place, je vous l'ai dit, sans forcer. Les deux Williams Mercedes ont réussi quant à elles à passer en Q2 avec les pneus médium. La Q2, on continue donc avec les pneus soft cette fois-ci. Il faut absolument rentrer le chrono qui va bien pour passer en Q3 et donc on garde la gomme la plus tendre disponible dans ce week-end ibérique. On va donc parler un peu de stratégie. L'idée, puisqu'il devrait y avoir de la pluie, serait de gagner un arrêt, puisque la pluie devrait arriver en cours de week-end. C'est en tout cas ce que prévoit la météo dans l'ordinateur de chez McLaren. Hein. On a téléphoné du côté de l'aéroport à côté de Barcelone pour voir un peu ce qu'ils en disent pour demain.
Et ça reste très tendu pour nous de passer en Q3 malgré tout avec ces pneus-là, puisque on n'a pas beaucoup de temps de roulage avec ces pneus-là. On a bloqué les roues dans le deuxième secteur. J'ai été beaucoup à bloquer mes roues dans les petits virages lents. Je laissais souvent mon pied sur le frein. Je faisais beaucoup de on-off avec la pédale et le pied. Pour l'instant, c'est Kimi Raikkonen le plus rapide. On rappelle que ça n'a pas de valeur. Il faut se mettre dans les 10 premiers de cette deuxième séance pour espérer passer en Q3. On se place correctement à l'issue du deuxième tour. On est bien placé. La relance, troisième secteur assez technique ici parce qu'on a du sous-virage avec la McLaren. Très difficile de la régler cette voiture sur une piste comme celle-ci, parce que si on sacrifie la vitesse de pointe qui n'est déjà pas excellente, eh bien on peut en payer le prix cher. Et tant qu'il n'y a pas la deuxième évolution moteur, on sera toujours en déficience, je pense, par rapport à nos adversaires directs. La fin du tour de cette Q2. Et on inscrit à 1.24.464 pour l'instant meilleur tour de cette Q2. Et au terme de la séance, c'est une très bonne surprise puisqu'on se retrouve troisième derrière les deux Ferrari. Fernando Alonso a également réussi à passer, c'est plutôt une bonne chose malheureusement. Carlos Sainz est de la partie. Mauvaise nouvelle pour Max Verstappen qui partira quant à lui 11e, et les deux Force India sont au fond de classement de cette Q2. Troisième et dernière séance, il nous reste un train de pneus soft à cramer. On va pouvoir faire une voire deux tentatives dans cette séance. La première vient de se conclure, on est en 1.24.533 et on va tout donner avec ce train pour essayer de se placer au mieux sur cette grille de départ. On sait que sur un tour, la McLaren peut se défendre. Alonso revient à nos côtés dans ces séances qualificatives, donc c'est qu'elle évolue bien cette MP431. On est en retard de 2 dixièmes par rapport à notre chrono ici, mais rien n'est perdu. On peut toujours faire une belle amélioration dans les deux autres secteurs. On ne lâche rien ici. De nouveau un freinage délicat avec le train arrière qui, vous voyez, commence à glisser puisqu'on essaie de placer correctement cette McLaren dans les virages lents. Et c'est pas la gomme avec laquelle elle est la plus facile en piste. Et peu de chances de pluie, effectivement, la séance qui aurait été de A à Z sous le soleil espagnol. On sort de la dernière chicane, le verdict du chrono. Va-t-on récupérer le petit temps de perdu dans le dernier secteur? On va chercher deux roues dans l'herbe là. Et on termine notre séance en 1.24.514, ce qui nous offre pour le moment la sixième place de cette grille. Et au final, nous partirons donc 6 et 8e du côté de chez McLaren. Bonne qualification des Mercedes qui verrouille la première ligne devant les Ferrari. La seule Red Bull qui a réussi à se hisser partira 5e. Il ne reste plus qu'à passer à la course. Qui sait ce que le Grand Prix d'Espagne nous réserve aujourd'hui? J'espère que nous aurons droit à une belle bagarre sur la ligne droite, comme avec Mansell et Senna en 1991, où la course sera peut-être plus tactique sur ce circuit où les dépassements sont difficiles. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite avant le virage 1 de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles dans les 16 virages, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous avec, entre autres, le virage 3, rapide, et le terrible virage 9 à l'aveugle. Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui. Ensemble, nous allons vous accompagner dans ce Grand Prix d'Espagne. Il est parfois difficile d'être le nez dans la voiture qui vous précède à cause des turbulences qu'elle produit. Nous assisterons peut-être à un Grand Prix un peu plus tactique. Qu'en pensez-vous? Je n'en suis pas certain, Jean-Paul Cassard. Oui, comme vous l'avez dit, il est difficile de se suivre. Mais si vous retardez votre freinage, vous pouvez doubler dans le virage 1, un virage moyennement rapide. Il faut simplement le vouloir. Et que dire sur la grille du jour? Je crois que nous allons voir un ou deux pilotes revenir de l'arrière et peut-être même pousser leurs adversaires à la faute. Je ne pense pas que cette course se jouera entièrement dans les stands. Le premier virage arrive vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, suivi de Nico Rosberg. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Vettel, Daniel Ricciardo et une McLaren, Kvyat, Alonso, Massa et Carlos Sainz.
Verstappen, Bottas, Romain Grosjean et Gutiérrez, Hülkenberg, Pérez, Julian Palmer et Kevin Magnussen, Ericsson et Nasser, Pascal Wehrlein et Rio Arianto complètent la grille de départ. L'extinction des feux ne saurait tarder à présent. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud. On devrait éviter la pluie, mais si un fond orageux apparaît, on te le dira. Le tour de formation qui débute sous le soleil de Barcelone. Ici, on part avec la sixième place entre les mains. De quoi, pourquoi pas, si Grabuglia espérait un podium. Je ne pense pas qu'à la régulière, on ait les capacités d'aller mettre la McLaren sur le podium, du moins à ce stade-ci du championnat. Le point aussi sur l'évolution de certaines écuries. On voit que Toro Rosso est très, très, très forte comparée à son début de saison et que Force India est en train de dégringoler. Nos adversaires directs, que sont normalement Williams et Toro Rosso, eh bien, sont tout autour de nous, donc on devrait avoir une chance de pourquoi pas faire un beau résultat face à eux dans ce premier Grand Prix européen de la saison. Alors, le retour en Europe vraiment, mais pas pour longtemps, puisqu'après Monaco, on repartira une fois au Canada. La voiture est bien mise en température. Nous sommes partis avec des pneus soft. Le deuxième relais de cette épreuve devait se dérouler en pneus médium, mais finalement on a opté pour les pneus durs. Pourquoi ? Parce qu'en, on va dire, en trois quarts de l'épreuve, il devrait y avoir une pluie fine qui vient s'abattre sur la piste, et si on arrive à tenir tout ce temps avec les pneus hard, eh bien on gagnerait le temps d'un arrêt. Ici la pit lane est très longue et ça pourrait nous aider à gagner quelques positions, donc un arrêt de moins s'il faut monter les pneus intermédiaires, voire les pneus wet. Donc on joue un petit coup de poker ici avec la stratégie en inversant les deux relais, avec donc, s'il ne pleut pas en fin de relais, peut-être un retour aux pneus soft. Ça pourrait être une option. Allez, on va se remettre sur la grille de départ, laisser toutes les voitures récupérer leur position et on pourra vivre l'extinction des feux depuis le cockpit de notre voiture pour cette cinquième manche d'une saison qui se passe bien pour Stoffel pour l'instant. On répond aux attentes du boss et du jeu, donc quoi de mieux. Et on espère continuer encore longtemps comme cela. Mais d'abord, place au Grand Prix d'Espagne. Départ du Grand Prix d'Espagne avec un bon envol pour l'une des Ferrari. Ça s'est mieux passé derrière pour les Toro Rosso qui peuvent profiter de l'extérieur de la piste. On voit Kvyat qui passe, Alonso également qui s'est bien envolé. Devant, c'est une Ferrari qui vient se mettre entre les deux Mercedes. Hamilton gêné, ce qui permet à, je crois, Daniel Ricciardo de bien se remettre. Et Lewis Hamilton qui a perdu beaucoup de positions dans ce départ. La tête donc pour l'une des voitures qui était bien placée en deuxième ligne. Les Ferrari qui ont pris l'ascendant sur les machines allemandes. Et Ricciardo quatrième qui s'est bien envolé. Et c'est la cinquième place pour nous, puisque Lewis Hamilton a complètement été mis dehors dans le premier droit. Pas de drapeau jaune et on peut peut-être aller chercher déjà Daniel Ricciardo avec des pneus peut-être pas forcément en température pour la voiture autrichienne. Et ça passe, oui, nous sommes quatrième de ce Grand Prix d'Espagne maintenant. Alors qu'on attaque le virage 9 à l'aveugle, ici on perd beaucoup de temps. Pas de DRS avant le troisième tour bien évidemment. Et on a un rythme qui est plutôt surprenant pour cette McLaren en début d'épreuve. On frôle le poteau, l'a peut-être même arraché avec la roue arrière. En tout cas, la tête pour la voiture de Sébastien Vettel devant Nico Rosberg, Raikkonen, nous sommes 4ème, Ricciardo 5ème et Lewis Hamilton 6ème. La première fois dans la chicane et on va conclure le premier tour sous le commandement du pilote Ferrari. Et les premiers arrêts qui devront être observés entre le 6 et le 8ème tour. Et Vettel qui logiquement s'empare du tour le plus rapide, bondissant de la deuxième ligne. Pas de souci à l'aspiration pour l'instant, les voitures restent sages, mais devant ça attaque Raikkonen qui va peut-être placer les deux Ferrari en tête. La même manœuvre pour le pilote finlandais que son coéquipier au départ. Et les deux machines de Maranello sont maintenant aux commandes de ce Grand Prix d'Espagne, alors que Mercedes avait récupéré la tête des opérations en qualification. Malheureusement, l'envol n'est pas top pour les machines allemandes. L'explication viendrait sûrement des pneus médiums montés par Nico Rosberg en Q2.
qui sont ceux qu'il chausse actuellement. Blocage de roue pour Stoffel dans ce deuxième tour de course, mais le rythme est maintenu. La voiture est derrière la Red Bull, la moteur Renault finalement de Ricciardo va peut-être nous poser quelques soucis à la sortie de ce virage 9, puisqu'on a beaucoup de difficultés avec le train arrière. Voyez, on est large, on s'ouvre, et on a du mal de tenir la voiture sur la corde correctement. Une McLaren compliquée à piloter avec le poids de l'essence. Et derrière nous, donc, il y a Ricciardo, Hamilton, Kvyat et la première Williams qui doit être, je crois, Valtteri Bottas. On va conclure le deuxième tour de course. Et les deux Ferrari qui, de nouveau, sont plus véloces par rapport aux Mercedes. Et c'est fait, deuxième tour couvert, et nous sommes 22 en piste, aucun souci. Très beau départ, très propre. Raikkonen qui reprend le rôle du pilote le plus rapide en course en 1.27. Le DRS est désormais proposé au pilote, on pourra l'utiliser à partir de ce troisième tour de cette épreuve. Et Raikkonen qui va même aller chercher Vettel peut-être pour la tête de course, c'est pas impossible. On l'a déjà vu, les deux Ferrari se donner des coups de roue depuis le début de la saison pour l'une ou l'autre position. Jusque-là, ça s'est bien terminé, mais ça pourrait un jour mal finir. Et l'écart qui commence à se creuser entre les trois premiers et Stoffel Vandoorne plus lent. Et regardez de nouveau le blocage de roue. On va pouvoir user l'entièreté des pneus soft avant de passer en pneus hard. Et c'est là qu'on va voir si on va souffrir ou pas au tour par rapport à nos adversaires qui auront deux arrêts au stand. Mais peut-être que certaines voitures derrière pourraient éventuellement copier notre stratégie. Attention, la dérobade du train arrière à la sortie du virage 9. C'était à la limite de l'adhérence proposée par les gommes italiennes pour Vandoorne. Et petit à petit, les dixièmes et les centièmes s'égrènent et on perd du temps, et le contact sur les trois premiers, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'on n'est pas forcément en train de bouchonner par rapport à Ricciardo et Hamilton. Et les Ferrari qui ne parviennent pas non plus à se défaire de Rosberg avec des pneus pourtant plus durs que les deux machines italiennes. Et troisième tour couvert, et Raikkonen qui continue à enfoncer plus en 1.26.917, et avec le DRS ça devrait aller. L'arrêt au stand de Fernando Alonso qui va switcher sa stratégie. On va passer sur deux arrêts. Et regardez, on nous propose de repasser en médium avant de passer au pneu hard. Mais nous allons conserver cette idée dans l'espoir de voir arriver la pluie. Alors effectivement, on passera plus de temps avec une gomme moins performante que nos adversaires, mais on devrait perdre moins de temps que si on fait deux arrêts, tant la pit lane ici est longue. Cinquième tour de cette épreuve désormais avec Ricciardo toujours à bonne distance, on n'est pas trop en danger. Par contre, derrière, ça s'est tout doucement effiloché et on a perdu le contact avec la voiture de Kvyat et les autres qui nous suivaient, notamment Bottas et Massa. En tout cas, la McLaren qui commence à flancher au niveau des pneus. Vous voyez, c'est très compliqué de la tenir, mais c'est le cas aussi des pilotes qui m'entourent. Donc, pas forcément de temps de perdu par rapport aux autres, mais par rapport à mon rythme, la voiture est beaucoup plus lente et Stoffel va devoir bientôt observer un arrêt au box pour compenser. Regardez ce blocage de roue absolument complet. Ricciardo qui va se porter à notre hauteur. Et ça ne passe pas pour Ricciardo, mais l'alerte est sonnée chez McLaren. Il faut rentrer, changer ses gommes avant de tirer trop longtemps sur ces dernières. On est à plus de 50% d'usure sur le train arrière gauche. C'est compliqué. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. L'une des Ferrari est en train de stopper. C'est Sébastien Vettel qui s'est arrêté en premier. Il était leader, donc il a la faveur des stands et de la stratégie face à son équipier Raikkonen. Pour nous, on monte au troisième rang, mais avec nos pneus soft, c'est compliqué. Et derrière, Lewis Hamilton, qui était également en pneus médium, se retrouve à nos trousses et lui n'est pas en prêt de stopper. Et regardez, impossible de résister à la machine allemande. On se retrouve derrière la Mercedes, pas le choix. Elle est plus rapide, quoi qu'il arrive. On n'a pas la puissance sous le capot pour se défendre. On va peut-être profiter un petit peu du slipstream, hein, de l'adhérence de la Mercedes pour revenir. Vous voyez qu'on va même porter une attaque, mais on peut se battre à la régulière. On est dans le même tour et on a des gommes qui sont censées être plus rapides. Mais elles sont surtout beaucoup plus usées. Et le DRS qui peut nous aider à garder quelques centièmes par rapport à nos adversaires en sortie de stand. Cinquième, Daniil Kvyat devrait également observer son arrêt. Ce que l'on fait à l'issue du sixième tour de compétition. Attention à ne pas dépasser les 80 km/h. On donne un joli coup de frein, on bloque les roues et on est bien dans cette pit lane désormais. Kvyat qui a continué, Romain Grosjean s'arrête également, je pense, Daniil Kvyat s'arrête aussi,
avec la Toro Rosso et nous montons, voilà, des pneus hard, les pneus à bande orange. Et Kvyat, lui, est en pneu soft, deuxième relais pour le pilote russe. Et on ressort de cette pit lane. Derrière, vous voyez, à Fernando Alonso qui est en train d'attaquer complètement l'une des Williams, les McLaren qui sont à leur affaire dans ce Grand Prix. On a donc devant nous, très loin dans le classement évidemment, Rosberg qui est désormais leader avec les pneus médiums. Les Mercedes reprennent la commande des opérations. Là donc Alonso, une Williams et la voiture de Kvyat. Je pense qu'il s'agit de Valtteri Bottas à vérifier pour la Williams. Mais on se retrouve en fin de peloton avec tous ceux qui ont déjà observé leur arrêt au stand. Et ça nous donne un petit train-train qui n'est pas bon pour nous. Ça veut dire que ceux qui ont arrêté plus tôt, qui ont créé l'undercut, sont devant nous. Il va falloir dépasser. En tout cas, un petit avantage avec l'aspiration. Derrière nous, c'est Carlos Sainz. Vous voyez que ça va attaquer Daniil Kvyat qui va s'emparer d'une position alors que Felipe Massa va se faire attaquer par le Russe et que c'est Bottas qui sort des stands. La question est donc élucidée. C'était Massa qui était entre Alonso et le pilote russe et la Williams qui est assez lente avec ses pneus médiums. On arrive à se battre et à tenir le rythme malgré tout avec les gommes les plus dures. Ça, c'est une bonne chose. À l'heure actuelle, je pense que nous sommes deux en gomme hard. Je crois qu'une Haas a également opté pour cette stratégie. Et l'avantage, il est le suivant, c'est que certains pilotes sont en pneus médium depuis l'extraction des feux, le freinage sur Felipe Massa, est-ce qu'il peut croiser? Non! Très belle attaque, très incisif. Là, on a pu s'emparer d'une position qui est la 18ème, ça n'a pas encore de signification, mais attendez, parce qu'au fur et à mesure des tours, les pilotes vont stopper. Une 26-8, on continue d'améliorer pour le pilote finlandais, tandis que nous, eh bien, on se retrouve derrière un peloton très compact. Pourquoi? Eh bien, parce que certaines voitures parties en fin de peloton sont parties en pneus médium, voire certaines en pneus hard. Et donc, du coup, n'ont pas encore stoppé et sont très lentes en fin de relais. Et tout cela suffit. On résiste déjà aux Williams, ça c'est une première chose. Eh bien, tout ça consiste à bloquer les pilotes qui ont fait un arrêt, qui se retrouvent derrière. Donc, on est en train de sauver notre course grâce aux retardataires, ou en tout cas aux voitures n'ont pas encore stoppé, qui ralentissent le peloton des leaders qui ont observé leur arrêt au stand. Alors qu'on constate que le ciel commence à se charger en nuages, on est avec tous ceux qui ont stoppé, les Lewis Hamilton, Alonso, les Red Bull, et on est en train de revenir avec nos pneus médiums. Et en fait, les voitures les plus lentes et de fin de peloton qui sont devant les leaders nous permettent d'avoir un rythme équivalent avec nos pneus durs. Donc finalement, on a une gomme qui est certes moins performante et moins rapide, mais qui est compensée par le peloton devant nous qui est au même rythme que nous de par les voitures les plus lentes. Donc c'est un statut, une situation inespérée à ce stade-ci de l'épreuve. Et on se retrouve derrière Fernando Alonso, l'un de nos adversaires, on le rappelle, avec Carlos Sainz, les deux Espagnols, qui s'étaient bêtement éliminés dans deux accidents différents au départ du Grand Prix de Russie. Allez voir si vous n'aviez pas vu ce qui s'était passé au départ, un accident plutôt impressionnant. Et regardez, ici on commence à s'énerver un petit peu parce qu'on voit qu'on revient et on ne veut pas perdre un tour de DRS, on y va allègrement, peut-être même un peu trop même, sur les vibreurs. Et la McLaren qui donne beaucoup, hein. Elle donne tout ce qu'elle a, là je suis fou l'attaque, mais regardez derrière l'attaque des deux Williams. La première, tout d'abord Felipe Massa qui passe, la deuxième au DRS, Valtteri Bottas qui va opter aussi pour la droite. On tente de se protéger face au Finlandais qui va malgré tout placer sa voiture à l'intérieur. Le contact avec Valtteri Bottas, est-ce qu'on peut résister? Et non, les deux Williams se sont passés dans cette ligne droite, mais il est lent. Tout d'un coup, Bottas qui s'ouvre un petit peu, peut-être des réglages différents comparé à Massa, et finalement se fait chipper deux positions au passage du transpondeur. Et nous sommes à peine au tiers de cette épreuve. La pluie qui menace de plus en plus. On demande à la radio ce que Jeff nous concocte en stratégie, parce qu'il va falloir, je pense, monter des pneus intermédiaires. Regardez les Williams qui sont ralentis dans le deuxième secteur, qui nous va vraiment bien. Et on peut réattaquer Bottas. Nouveau contact, et là on se comprend pas avec le Finlandais. Il y a eu du roue contre roue ici, impossible d'aller mettre la voiture à droite. Si, l'ouverture est faite et Bottas qui s'est fait surprendre, on a le DRS. Je pense que lui ne l'aura pas par contre avec les pneus soft. Et on retrouve, eh bien, j'ai envie de dire, le groupe de fous furieux avec les Manor, les Haas, les Ferrari, les Red Bull et les Williams. Et Fernando Alonso, faut pas l'oublier non plus. Donc là, on a vraiment une réelle opportunité alors qu'à l'heure actuelle,
avec l'arrêt au stand de Nico Rosberg. À l'instant, vous le voyez, puisqu'il vient de réaliser le meilleur tour avec ses pneus tout frais en 1.26. C'est Max Verstappen, le néerlandais, qui est en train peut-être de faire la nique à tout le monde, puisqu'il est en dehors de ce peloton, ne perd pas de temps, il peut aligner des tours propres sans adversaire devant lui. De quoi donc faire le café du côté de l'équipe autrichienne qui pourrait, comme hier, remporter le Grand Prix d'Espagne. Pour l'heure, rien n'est fait, on rapproche tout doucement notre McLaren, on attaque, on est pleine attaque avec cette McLaren Honda. On tente de remonter dans le peloton parce que là, il y a des opportunités, il y a des places à gagner et on est à l'aise dans le deuxième secteur, à l'aspiration du pilote brésilien. Peut-être une attaque sur Felipe Massa au freinage et ça ne peut pas résister pour Massa. De nouveau, derrière Fernando Alonso, alors que les Williams nous avaient, il y a quelques tours, chippé ces deux positions. Et l'attaque sur Alonso, on était surpris par le freinage de l'Espagnol. Est-ce qu'il peut résister? Attention à ne pas aller au contact entre équipiers, ce serait dommage. Est-ce qu'Alonso résiste? Et nous sommes passés. Non, Alonso toujours à notre hauteur. Faut surtout pas se toucher entre les deux voitures de McLaren. Oh, le contact léger avec Alonso tout de même, je pense, et la roue arrière. Et finalement, le champion du monde espagnol qui abdique devant son public. On va mettre deux roues dans le gravier au passage du DRS. Ce fut très très chaud ce secteur. Et regardez devant les Renault et les Sauber qui bloquent tout le monde. Les Manor également. Il y a la première alerte de la direction de course qui nous dit qu'on devrait peut-être respecter les limites de cette piste de Catalunya. Et donc devant nous, je pense que nous avons Kvyat, Ricciardo et Hamilton, les hommes qui menaient cette épreuve avec nous il y a de cela une dizaine de tours. Et devant, eh bien, il y a une Renault, les Manor et une Sauber. Ça ne rentre pas, donc on va encore pouvoir profiter de la perte de vitesse. Hamilton, lui, ne se décide pas à rester derrière les Manor. Il va sûrement déboîter dans la ligne droite des stands. Alonso revient très très fort derrière au DRS. On ne peut pas se défendre, mais le moteur de la McLaren n'est pas suffisant pour porter une attaque du côté d'Alonso. Devant, ça se chiffonne, ça se gêne. Hamilton a su éliminer une Manor. Il en reste encore une pour nous. Et regardez, Sigviad va passer, la Red Bull qui est dans l'aspiration de la monoplace britannique. On va à notre tour tenter de porter l'attaque comme sur Massa tout à l'heure. On passe au freinage sur Daniil Kvyat qui ne peut rien faire. Il n'a pas la solution, le russe, nous l'avons sur lui par contre. Est-ce qu'il résiste à l'intérieur? Oui, il va revenir sur nous au freinage. Très bon freinage des pneus soft de la Toro Rosso. On va le laisser revenir à notre hauteur. On est côte à côte dans ce deuxième secteur avec Kvyat. Est-ce qu'il peut mieux relancer? Il a une vitesse améliorée avec ses pneus. Et Kvyat qui résiste, on croise les trajectoires, on se retrouve à l'extérieur, est-ce qu'il nous a vu? On le touche légèrement, non, ça s'est frôlé. Et à l'extérieur, est-ce qu'on peut passer le DRS pour nous évidemment? Et Kvyat qui résiste, belle résistance de la part du pilote russe. Et derrière c'est Fernando Alonso qui va se faire piéger par la Williams de Felipe Massa qui lui chippe une position. Il y a beaucoup de changements de position qui vont avoir lieu dans cette partie-ci de la course due au retardataire devant. Il faut absolument que les Renault, la Sauber et l'une des Manor stop pour dire de libérer le peloton. L'attaque sur Kvyat à la chicane, ça ne peut pas passer. Quoique léger frottement entre les roues des deux voitures. Et là, Kvyat qui est déstabilisé, on prend l'intérieur à la relance. Et même le DRS, je pense, non, ne l'aura pas cette fois-ci. Et Kvyat qui est dépassé, mais pas pour longtemps. Le retour du pilote russe avec la Toro Rosso qui passe à gauche, suivi dans son aspiration par Felipe Massa et peut-être même Fernando Alonso. On va se remettre juste sous le nez de notre équipier pour l'empêcher de porter l'attaque et ça résiste malgré tout. Quelle foire d'empoigne dans ce premier tiers de compétition. Et à l'extérieur finalement sur la voiture de Massa, on se retrouve au 13e tour de course un peu plus tard donc. C'est passé, non, la résistance, Kvyat qui ne veut rien lâcher. Et oui, et la Toro Rosso qui est au niveau même un peu plus de la McLaren. C'est la bonne surprise de ce début de saison, hein, la petite structure italienne. Ex Minardi, on le rappelle pour les plus anciens. Alors devant, les deux Manor sont derrière Hamilton qui a désormais piste libre avec l'arrêt au stand de l'une des Renault qui finalement opte pour la voie des stands. C'était le Danois Kevin Magnussen qui gênait tout le monde. Une autre voiture est en train de sortir. Je n'ai pas vu qui c'était malheureusement, mais la salve d'arrêt au stand continue dans le 14e, quasiment la mi-course. Toujours pas de pluie, mais c'est très très menaçant. À ce stade-ci, on a déjà demandé plusieurs fois à la radio comment ça allait se passer avec la météo du côté de Van Dorn. Alors, est-ce que ça va se décider du côté des pilotes de la marque Red Bull à attaquer? Si ça ne le fait pas, nous on y va, on chope Ricciardo au freinage et on va même aller chercher Arianto, pourquoi pas Arianto 12e aux portes des points avec Pascal Wehrlein.
et la pluie dans les 10 minutes annoncées par Jeff. On va donc pouvoir tout doucement se pencher sur une éventuelle stratégie en pneus intermédiaires. La deuxième Anor qui ne va pas non plus faire beaucoup de résistance. Pascal Wehrlein en pneus médium qui se fait effacer au moment où Hamilton prend l'avantage sur Marcus Ericsson, le Suédois. Et donc on remonte tout doucement. Mais dans notre lutte, à nous, on a fait ce qu'il fallait pour être devant. Et bien déjà Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat. La chicane, et si la Sauber rentre ce tour-ci, c'est gagné. Voilà l'arrêt au stand. On a perdu absolument rien du tout derrière la machine suisse. Et Julian Palmer, la deuxième Renault, également en train d'observer un arrêt au stand. Et Lewis Hamilton qui est devant nous. Grosjean qui ressort sous notre nez, véritablement. Et donc là, il y a bagarre avec Grosjean en pneu neuf, qui donc a fait son premier relais en soft, son deuxième relais en médium, et maintenant va devoir aller au bout en pneu hard, ce qui est une belle performance pour le pilote français de la Haas. Mais là, on est pour l'instant un peu en avantage avec les pneus chauds, mais une fois que les siens seront à température, c'est lui qui deviendra plus rapide que nous de par la jeunesse de ses pneumatiques. Le 15e tour est désormais couvert, l'arrêt au stand de Fernando Alonso et l'attaque de Daniel Ricciardo en pneu médium. Le moteur Renault ne peut pas faire mieux que de nous dépasser là, mais on résiste, on est côte à côte avec la Red Bull, on laisse toujours la place et finalement, eh bien, on se laisse dépasser parce qu'il n'y a rien à faire, on n'est pas sur la même stratégie. Et de toute façon, il y a un arrêt supplémentaire à effectuer quoi qu'il arrive, puisqu'il va pleuvoir dans les prochaines minutes, secondes de cette course. Trois secondes d'avance sur Perez, également en pneu hard. Et ça y est, là, on peut relancer. Incroyable la sortie de cette McLaren dans ce deuxième secteur. On a déjà pu résister le contact avec Ricciardo. La touchette avec Daniel Ricciardo s'en sort bien malgré tout. Alors, on a prévu les pneus intermédiaires. Regardez, on en est au niveau de l'usure. Si on stoppe maintenant, on repartirait au 13e rang de cette épreuve. Un petit point sur la voiture après ce contact. Vingtième tour de course et les premières gouttes qui ruissellent sur le cockpit des voitures dans le troisième secteur. Il va falloir songer tout doucement à un moment pour passer les intermédiaires. Pour l'heure, pas de tout ça, pas besoin de tout ça, il fait bon. Et là, on est en full hard, tout le monde est en pneu hard. Donc on a tous effectué au moins deux arrêts au stand, mais certains, déjà, comme moi, n'ont fait qu'un arrêt. Et le deuxième, ils vont le faire sous la pluie. On tente de résister à Sébastien Vettel, mais c'est peine perdue. La Ferrari est plus rapide. Et vous voyez qu'on a été collecter quelques marbles. Et toujours pas d'abandon dans ce Grand Prix d'Espagne. Plutôt bon pour la fiabilité. Alors on sait que c'est une piste connue des pilotes et des écuries, puisque c'est ici qu'en début d'année, de nombreux tests sont effectués. On a fait une demande d'arrêt au stand de notre côté pour préparer les mécaniciens à notre éventuelle arrivée si la pluie venait à redoubler d'intensité. Et pour l'instant, pas besoin de monter des gommes intermédiaires. L'adhérence reste correcte, même si des fois ça glisse un petit peu, comme ici, l'exemple parfait. Et toujours cette relance incroyable dans ce gauche de la McLaren qui a beaucoup plus de coupes, on dirait, c'est assez hallucinant. Et le S du 7 et 8e virage qui conditionne le 9e. Que voici, on a le DRS sur Sébastien Vettel, on ne va pas peut-être porter d'attaque. Quoique, on a une très bonne relance, est-ce qu'on va aller chercher le pilote allemand au freinage? Oh, blocage de roue énorme là pour Vettel et le contact avec Vettel. Il ne nous a pas laissé la place. Finalement, on s'écarte et on est passé devant Vettel alors que l'on va probablement rentrer au box. Je pense qu'on a toujours les bons pneus pour le moment. Et on entend Stoffel à la radio qui dit parfois que ça glisse beaucoup. On le saurait à moins. Allez. Vous voyez que ça glisse. Ça glisse beaucoup. Et oh, le gravier et la Ferrari qui passe, évidemment. L'erreur qui... était nécessaire à Vettel pour récupérer la cinquième place. Pour l'instant, nous sommes dans les objectifs. Les pneus sont en bout de course. On a calculé tout juste pour l'arrivée de la pluie. On commence à avoir une voiture glissante, hasardeuse, mais ça tombe tout juste. Si d'ici l'un ou l'autre tour, la pluie reste à ce stade, l'eau va commencer à s'agglutiner sur la piste. On pourra monter les gommes intermédiaires. Pourquoi pas effectuer un undercut en intermédiaire et profiter d'un avantage sur certains de nos adversaires. C'est tout à fait possible.
selon où les pilotes se situent sur la piste, ils vont ou non rentrer au bon moment. Vous voyez que ça bloque les roues. On est proche de Vettel, quasiment en contact, sous le museau et sous la boîte de vitesse de la machine italienne. Allez, la relance. Pourquoi pas une nouvelle fois le retour avec Vettel? Non, ça ne passe pas à l'extérieur ici. Non, Alonso qui doit rentrer aussi quand il va pleuvoir. Et il est à l'extérieur sur Vettel. Non, toujours pas, toujours pas. Le DRS qui pourrait nous aider à faire un freinage, mais il faut être très prudent avec ces conditions humides. Et Vettel qui résiste, mais là, la pluie qui commence à bien stagner sur notre cockpit. Est-ce qu'on tenterait pas un éventuel undercut sur les pneus intermédiaires à la fin de ce tour ou à la fin du prochain? Pour l'heure, on n'a pas contacté Jeff pour demander aux mécaniciens de se préparer une nouvelle fois, mais on va tenter quand même. Voilà, un tour supplémentaire dans ces conditions. Ça glisse, mais c'est tout à fait pilotable. Et on a en plus le DRS, on est devant Lewis Hamilton. Rendez-vous compte, le pilote champion du monde qui n'est pas à son affaire aujourd'hui. Il n'a pas été aidé non plus par les pilotes contre qui il s'est battu. Assez malmené et assez gêné par les retardataires des équipes de fond de plateau. Allez, Vettel qui va ralentir avec la pluie. Nous aussi, c'est là qu'on va voir le nivellement des performances sous une piste humide. Et les gouttes d'eau qui commencent à ruisseler sur notre caméra. Signe qu'il va falloir rapidement opter pour les box. On est fort face à Vettel dans ce premier partiel. Et on va porter l'attaque sur l'Allemand. Obligé d'ouvrir la porte. Allez, ça peut y aller. Est-ce qu'à la relance, on peut battre la Ferrari? Oui, nous sommes devant Vettel. On pourra rentrer au box devant lui. C'est peut-être déjà quelque chose de gagné. Romain Grosjean, quatrième de ce Grand Prix avec les pneus Hart. S'il boxe, il pourrait éventuellement aller faire un top 5 avec la Haas. L'écurie américaine en a bien besoin au classement général. Attention, ça glisse énormément du train arrière. Le retour de Vettel, mais on devrait pouvoir résister. Et là, eh bien, il pleut vraiment. Et on plonge finalement alors que les autres continuent et c'est peut-être ça qui va nous sauver. Un tour en intermédiaire avant tout le monde. Le blocage de roue à l'entrée de la pit lane. Les pneus à bande verte qui nous attendent vont être, je pense, les premiers à les chausser. Il faut que l'arrêt se passe sans problème maintenant. On monte les gommes sculptées, 2 secondes 1. Très bel arrêt du côté de chez McLaren. Et on repart derrière Daniel Ricciardo. Et on est en pneu intermédiaire, ça y est, on prend beaucoup de marbles, évidemment, parce qu'on est du côté sale de la piste en sortie des stands. Attention à la ligne blanche. Et on est 11e en intermédiaire, de quoi espérer, pourquoi pas, remonter rapidement. La direction de course qui indique à tout le monde que le DRS est désormais désactivé. Et l'arrêt au stand d'Alonso qui va rapidement monter les intermédiaires. Bonne manœuvre du côté de chez McLaren, on a rapidement appelé les deux voitures. D'autres pilotes sont bloqués à l'autre bout du circuit et là, la pluie qui s'installe véritablement sur ce circuit de Catalunya. Il faut désormais des pneus intermédiaires et tous les pilotes en pneus slick vont être ralentis. Ce tour-ci peut déjà créer une différence de 5 à 10 secondes entre nous et les autres pilotes. Dans cette épreuve et il va encore s'en passer. Et on vous a laissé un petit peu apprécier la manière dont les pilotes gèrent cette adhérence précaire. L'arrêt au stand pour beaucoup de monde et du temps perdu. Et est-ce que l'undercut sur Romain Grosjean va fonctionner avec les pneus intermédiaires? Et nous sommes devant. On a réussi à passer Romain Grosjean alors que devant, évidemment, une équipe a forcément oublié de faire rentrer un pilote parce qu'on ne peut pas faire rentrer les deux voitures en même temps
Dans la voie des boxes, c'est Nico Hülkenberg, le pilote allemand, et sa Force India qui sont toujours en gomme sèche sous ces conditions humides. Et ça ne va pas aller très vite pour lui. On peut éventuellement aller chercher le pied de podium ici. Et on annonce une fin de pluie dans 15 minutes, mais le drapeau à damier sera baissé depuis longtemps dans cette épreuve. Ici à Catalunya, et regardez le pauvre Hülkenberg qui, en pneu sec, continue de ramener sa voiture au box. Et on va rapidement se passer de lui. Est-ce qu'on peut attaquer? Est-ce qu'il nous a vu? Oui, voilà. Hülkenberg totalement arrêté. Et on se retrouve quatrième de ce Grand Prix d'Espagne. Rendez-vous compte, on ne pensait pas être à pareil fait avec l'aspiration et le manque de puissance moteur de cette McLaren. Mais au jeu des retardataires et surtout des conditions météo, la voiture nous permet d'éventuellement ramener de gros points. 27e tour de cette épreuve, on tient bien la barque devant Sébastien Vettel, 7 secondes d'avance sur l'Allemand. À la régulière et avec le nivellement des performances d'une piste humide, on pourrait éventuellement faire gagner notre stratégie de gagner un arrêt au box et d'avoir fait un undercut en pneu intermédiaire. Donc deux décisions qui ont été judicieuses, très risquées, mais qui ont payé. Et on se retrouve au pied du podium de cette épreuve. Pourquoi pas un souci mécanique pour l'une des voitures de tête. Et on pourrait signer le premier des trois podiums visés. Cette année, je rappelle qu'il y a trois podiums à ramener avec cette McLaren cette saison. Et c'est possible tout simplement d'aller sur un malentendu, comme dirait l'autre, ou sur un événement particulier, ou sur des pistes comme Monaco ou le Canada, je ne sais pas. Aller chercher opportuniste une position sur le podium. En tout cas, petit message en passant à ceux qui disent que ça n'est pas roleplay ou je suis trop dans le classement. Il se peut qu'une voiture évolue et le but n'est pas de faire une copie conforme de la réalité. Ça n'aurait pas d'intérêt puisque le but est de voir comment toutes ces voitures évoluent. Voilà, le petit point étant précisé pour certains qui s'expriment en commentaire sur le fait que j'étais trop fort. Et au final, quand vous regardez les résultats, je suis en deuxième partie de tableau de points, ce qui correspond à peu près à ce que fait McLaren avec un Fernando Alonso en ce moment quand la voiture est fiable, du moins en fin de saison. N'oublions pas que c'est un jeu. Navré pour cette parenthèse qui devait être faite à ce moment-ci de la course. On replonge au cœur du cockpit de Stoffel Vandoorne qui va peut-être aller chercher une belle quatrième place. Mais Vettel revient, vous voyez l'écart est désormais à moins de 7 secondes entre nous et la voiture du pilote allemand. Et ça glisse de plus en plus au fil des tours. 29e boucle entamée maintenant, la 32e. On se retrouve pour vivre ensemble l'arrivée. Vous voyez que la pluie n'a pas faibli, n'a pas désenflé. Il est toujours très très chaud ce circuit de Catalunya malgré l'humidité. Et on continue de glisser dans tous les sens avec désormais Lewis Hamilton passé 5e de ce Grand Prix. Le retour du champion du monde devant Vettel. Donc les Ferrari ne sont pas forcément à la fête. Devant, c'est Nico Rosberg qui mène les opérations. Devant, Max Verstappen finalement dépassé au moment de passer les pneus intermédiaires. Raikkonen complète le podium. Nous sommes quant à nous 4e. Il va rester une boucle dans ce Grand Prix et peut-être la 4e place qui serait une délivrance pour l'équipe McLaren qui nous permettrait pourquoi pas d'espérer un poste de premier pilote au niveau, je ne sais pas, du Canada ou de Bakou. Ça pourrait être quelque chose de correct. Nous ne sommes qu'à 10 secondes des Ferrari. Rendez-vous compte avec l'évolution moteur et l'évolution aérodynamisme ce que sera le Grand Prix de Monaco qui aura lieu d'ici quelques jours. Soyez au rendez-vous, soyez là pour Monaco. Ça va être une course d'enfer, je pense, avec cette McLaren qui pourra bien évoluer avec les dernières améliorations techniques. Un point sur ce qui se passe sur la voiture. Et Jeff qui est muet, évidemment. Il ne nous donne pas d'infos. Dernière boucle de ce Grand Prix. Vous voyez que ça glisse beaucoup. Attention. Et regardez les pneus qui commencent à être usés. Il va falloir garder toute notre concentration jusqu'au drapeau à damier. On va freiner sur le vibreur. Grosse erreur, là on perd du temps. On perd du temps, mais devant il y a une Sauber qui est au ralenti. Je crois que c'est Felipe Nasser. On va voir la couleur du casque. Oui, je crois que c'est Nasser, le casque rouge. Le pilote brésilien Felipe Nasser qui va se faire dépasser. Attention, parce que c'est toujours une manœuvre prudente, même si les drapeaux bleus s'agitent de tous les côtés. Regardez le temps qu'on perd derrière Nasser dans ce secteur. Incroyable. Et finalement, voilà, les drapeaux bleus nous ont aidés. Et le sous-virage absolument terrible, il faut en terminer avec ce Grand Prix tant que c'est possible. On va assister d'ici quelques instants à la victoire de Nico Rosberg, le pilote allemand qui va se remettre dans la course au championnat. Les Mercedes s'en sortent bien, première et cinquième, Raikkonen troisième et je pense Vettel sixième. Ça va bouger au niveau du classement général de cette saison 2016 de Formule 1. Stoffel Vandoorne qui va en terminer
alors que devant, victoire de Nico Rosberg, c'est fait devant Max Verstappen et Kimi Raikkonen. Et le DRS qui est réactivé puisque la piste est considérée désormais comme sèche. Donc on aurait pu repasser, mettre des pneus slick. Et c'est la quatrième place, meilleur résultat pour Stoffel Vandoorne. C'est une performance super. J'étais un peu inquiet au début du week-end, mais tu t'en es bien sorti. Merci pour tout. Très belle performance de Mercedes. C'est une nouvelle victoire historique. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé ici et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Et nous découvrons les résultats de ce Grand Prix avec une belle quatrième place pour Vandoorne. Et il faut descendre pour retrouver Fernando Alonso qui termine 13e malheureusement à l'issue de cette course avec 3 arrêts au box. Le classement général, Kimi Raikkonen mène toujours cette saison mais de 4 points seulement sur Nico Rosberg. Et nous sommes quant à nous dans notre lutte face au Red Bull derrière mais devant par rapport au Toro Rosso. Quand il s'agit du classement constructeur, eh bien... beau bon en avant également pour McLaren qui passe devant Toro Rosso et surtout Force India qui est en train de crouler cette saison. Voilà, c'est ce qu'il y avait à retenir de ce Grand Prix d'Espagne. J'espère que cette version vous aura plu. On se retrouve très vite pour le Grand Prix de Monaco qui ne sera raté sous aucun prétexte, croyez-moi. Ça va être très très beau ce qui s'y passera. Merci les amis pour votre fidélité et à la prochaine. Ciao.